Yo les amis, c'est Jelly King, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve pour la suite de la Coupe des Nations. Pour les deux prochains matchs, ça sera face à la Côte d'Ivoire et face à l'équipe de France. Allez, à tout de suite pour les meilleurs moments des matchs. Donc voilà les amis, on est parti face à la Côte d'Ivoire pour ce second match du groupe. On va voir pour faire quelques petits changements. On va mettre Hulk. Nous allons mettre Douglas Costa. Allez, on va partir comme ça. C'est parti, let's go! Allez, c'est parti pour la victoire. Oh, on l'avait pas vu le petit. Là. Allez, l'enveloppe, ça passe à côté. Allez, David Luiz, la frappe. Ouais, ça revient. Oh, la parade du gardien encore. Ça sera un nouveau corner. Défense. Allez, la vitesse, la frappe croisée de Coutinho, mais ça passe à côté. Oh, il se tire dedans, mais c'est pas possible. Allez, Coutinho, là, il est passé, la frappe, et c'est l'ouverture du score. Le but de Coutinho. Ah, on a bien attendu, là, le décalage, il est parfait. Roberto Firmino qui lance Coutinho dans la profondeur et l'extérieur du pied qui trompe le gardien. Allez, ça fait un but à zéro, et le deuxième but pour Philippe Coutinho dans la compétition. Allez, la frappe, elle est contrée. Ça sera un corner de Kodjo. But encore sur un défenseur. Avec Casimiro qui dégage de la tête. Un superbe centre. Un superbe ballon piqué. Oh, dommage. Et c'est la mi-temps sur ce score de 1 but à 0. Alors, on domine ce match. L'Italie et la France ont match nul 1 partout. Allez, c'est parti pour cette seconde période. Donc, il récupère, joue avec Coutinho. Voilà Coutinho. La frappe de Coutinho, ça passe au-dessus. La frappe de Douglas Costa dans les bras du gardien. Oh, c'est magnifique là. Oh, par contre, il est parti. Bonny. Wilfried Bonny. Et la tête et la parade. Allez, on va faire des changements. Coutinho qui est cuit, on va faire rentrer Gabriel Jesus, Williams à la place de Hulk qu'on n'a pas vu du tout dans ce match. Il y a un petit Marquinhos à la place de Miranda. Allez, voilà pour les changements. La reprise! Ça passe à côté de Gabriel Jesus. Ah,
La frappe s'est repoussée. Oh là là, ça panique, ça dégage. Et c'est terminé. Victoire face à la Côte d'Ivoire. 1-0. On méritait plus même. Après la barre, le poteau, toutes ces occasions ratées. On va revoir tout ça. Voilà, 12 tirs, 6 cadrés. 6 tirs, 3 cadrés seulement. On a la possession 54-46. Le manqué de Jonathan Kodjo. Une belle profondeur. La frappe qui passe au-dessus. Ça dévisse complètement. L'arrêt de Cissé. Voilà, on a le compte favorable à bout portant. Superbe parade. Le manqué de Philippe Coutinho. Voilà. Belle action, mais mauvaise frappe. Et Coutinho, 10 minutes plus tard, sur une superbe action. Voilà, Firmino qui attend. On lance Coutinho qui va inscrire le premier but de cette rencontre. Superbe extérieur. Coutinho qui va à nouveau avoir l'occasion et qui va la louper. Trop grosse frappe au-dessus. La barre transversale de Firmino. Enfin, magnifique frappe. Dommage. Un arrêt de Diego Alves sur une superbe action. Ça revient tête de l'attaquant. Et là, le saut pour repousser ce ballon en corner. Le poteau de Jay. Là, ça revient. Ça lui reste dans les pieds. De poteau. Ça passe au-dessus. Ça doit frôler la transversale. C'est pas dangereux. Le poteau de Williams. Sur cette enveloppée. C'est vite dégagé par la défense. Le manqué de Jesus. Sur cette reprise. Et un dernier arrêt de Cissé. Alors, frappe croisée, c'est bien repoussé. Le tacle glissé, mais la défenseur était plus rapide. Donc voilà, victoire 1-0. L'Italie et la France ont fait match nul 1 partout. Donc on est seul en tête avec 6 points. La France deuxième avec 4 points. Donc on va aller les affronter. Parce que Firmino est toujours blessé. Non, il peut jouer. Neymar, tout le monde est en forme. On va juste mettre Jonas à la place de Hulk. Et Lucas à la place de Marquinhos. Et on va partir comme ça les amis. C'est parti, let's go. Allez, match important face à l'équipe de France. Voilà. On est premier avec 6 points. La France deuxième avec 4 points. Donc on peut être assuré de la qualif. Et si l'Italie gagne et que la France perd, l'Italie repasserait et éliminerait la France. Allez, c'est parti les amis. Il y a du Schneiderlin, Matuidi. Allez, la frappe, elle est magnifique, cette action. Du début à la fin, elle est superbe. Et Roberto Firmino. Non, c'est Coutinho. Elle est toujours en retrait, Firmino. Donc c'est Philippe Coutinho. À la conclusion, qu'est-ce qu'elle est magnifique cette action, ce jeu de passe collectif
Et ça fait donc son troisième but à Coutinho dans cette compétition. Dès la 7ème minute, déjà l'ouverture du score face à l'équipe de France. Allez, c'est contré, mais ça. Payet conserve ce ballon. Contre favorable, ça fait déjà deux fois. Et la grosse frappe. Le script, on connaît. À l'extérieur du pied, regardez-moi cette action. Bim! Joli but quand même. Et donc, un partout, tout est à refaire. Allez, ce match qui commence fort. Et Payet, il récupère tous les ballons. Oh là là, il résiste encore, Payet. Mais c'est pas possible. Payet, il a tous les comptes favorables. C'est n'importe quoi. Regardez, ça revient 15 fois sur eux. C'est dégueulasse. Allez, on l'a vu là-bas, Williams. Allez, faut pas chanter. On l'a vu, le trou là-bas. Oh là là, et la para du Golioris. Le décalage a été fait. Ah, la frappe et le but. Ouh, le but de Williams. On a un peu de chance. Beaucoup de réussite même sur cette occasion. Allez, on est contré. Mais ça revient sur Williams. Frappe enchaînée, premier poteau. J'ai eu le réflexe de tirer aussitôt. Avec William, ça fait mouche. 3 buts aussi pour lui dans cette compétition. Et on reprend l'avantage à la 36e. Allez, la frappe de Luis Gustavo. Quel arrêt de Lloris. Et donc, c'est la mi-temps sur ce score de 2 buts à 1 pour nous. Et donc c'est l'Italie qui perd face à la Côte d'Ivoire. L'équipe de France pour l'instant est toujours qualifiée. Allez, on est parti pour cette seconde période. Allez, Alves. Le centre de Daniel Alves. Oh, dommage. Ça sera un corner. Un nouveau corner. Oh, la frappe superbement repoussée par Lloris. Et Jonas qui va remplacer Roberto Firmino. Allez, on va mettre Lucas à la place de Williams. Et Fabiano à la place de Luis Gustavo. Allez, pour Lucas, la frappe, elle est contrée par la défense. Jonas, la frappe s'est repoussée par Lloris encore à nouveau en corner. Ney, ouh là là, ça va revenir. La frappe et Lloris qui repousse à nouveau en corner. Il en aura fait des arrêts Lloris. Trop superbe. Allez Neymar. Neymar et le but. Le troisième but signé Neymar Junior. Contre-attaque éclair avec Jonas. Hop, le double contact, scoop and turn et la frappe premier poteau.
pour terminer et nous offrir la victoire à coup sûr. Belle équipe de France quand même, ils ont fait un très beau match. Et Neymar qui signe son premier but de la compétition. Allez, on a nos trois victoires. Voilà, c'est terminé. Donc victoire 3 buts à 1 face à l'équipe de France. Est-ce que l'Italie a passé devant la Côte d'Ivoire? Ils auront eu un peu de chance quand même. On va aller voir tout ça. Voilà, 14 tirs, 11 cadrés quand même. 4 tirs, 2 cadrés, 56 de possession à 44 pour nous. Ils ont eu vraiment un gros Hugo Lloris. Ça a commencé fort, 7ème minute. Coutinho qui ouvre le score. Superbe action collectif. Voilà, on lance en profondeur, frappe croisée. Lloris qui peut rien faire, il n'a même pas bougé. 2 minutes plus tard, Matuidi d'un superbe extérieur du pied. Voilà, un contre favorable. Hop, frappe du gauche. Extérieur du pied, ça rentre. Bon, la frappe, elle est somptueuse. Williams qui marque le deuxième but. Voilà, frappe enchaînée après un contre favorable. Ça nous reviendra dans les pieds. Et ça fait mouche. Le poteau d'Olivier Giroud. Après, festival d'arrêt d'Hugo Lloris. Donc, un premier arrêt. Un second. Il fallait la sortir. Il remporte son duel face à Jonas qui vient d'entrer en jeu. À la 88e, on décale parfaitement. Il repousse à nouveau la frappe de Jonas. Une minute plus tard, sur un corner bien renvoyé. Voilà, on décale, frappe à bout portant. Grosse frappe, encore une fois repoussée. Mais il a craqué. Superbe contre-attaque, Neymar qui part. Double compte à scoop and turn pour se défaire du défenseur. Et la frappe au premier poteau. Là, ça va trop vite pour eux. Et donc voilà, victoire 3 buts à 1. Et la Côte d'Ivoire qui a battu l'Italie 2 buts à 1. Ils ont eu très très chaud l'équipe de France. Et on va aller voir qui on affronte. Ah, c'est en match aller, match retour. Donc on va raffronter l'Italie. Donc rien n'est joué. Donc voilà les amis. Dans le prochain épisode, vous l'avez compris, nous jouerons l'Italie en match retour. Nous rejouerons l'équipe de France. Et nous jouerons la Côte d'Ivoire pour la qualification des poules. Bon, nous on a déjà 9 points, ça devrait le faire. Le 11 de la semaine, on va les voir vite fait. Luis Gustavo, Philippe Luis, Sébastien Cotes de l'Uruguay, Benedicto Vedes de l'Allemagne, Daniel Vess pour nous, Gervinho de la Côte d'Ivoire, Proper des Pays-Bas, Arevalo Rios de l'Uruguay, Stuani de l'Uruguay, Jonas du Brésil alors qu'il a joué qu'une mi-temps, et Payet de l'équipe de France. Voilà les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher des likes et des commentaires. Moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao !